Bonjour et bienvenue à la visite donc du 23-25 rue Anna Jacquin à Boulogne. Donc un petit immeuble avec trois étages. Voilà, rue calme, quartier résidentiel. Au bout, on trouve la Seine. Donc allons-y. Donc le logement est en rez-de-chaussée, donc on le voit d'ici, hein. C'est la fenêtre qui donne de ce côté-là. Grande baie vitrée sur un petit bout de jardin. Donc pour la première porte, pour entrer, Vigic ou Digicode, nous avons le sas avec les boîtes aux lettres. Il y a la fibre optique dans l'immeuble. Quelques marches et du coup interphone ou Vigic à nouveau. On voit donc hall d'entrée et l'appartement, c'est celui-ci. Voilà. Donc petite entrée. Interphone donc à l'entrée, l'électricité a été refaite. On a un petit placard en face. C'est toujours utile. Donc à droite, la pièce principale. Avec la grande baie vitrée, il y a un volet roulant électrique. Deuxième fenêtre par ici, qui là va donner donc sur l'entrée parking par contre. Voilà, bon, c'est un petit immeuble donc pas trop de passage. Et donc là on est côté rue. Encore une fois, c'est une rue calme, hein, plutôt résidentielle, on donne sur des maisons, pas de grand passage. Le chauffage que vous voyez là donc est collectif, l'eau chaude également. Par là, on va avoir donc la cuisine, donc petite cuisine avec réfrigérateur, congélateur, micro-ondes à ce niveau-là. Et de l'autre côté, donc l'espace cuisson, un peu de rangement et l'évier. Fenêtre également. Et de l'autre côté, on va retrouver donc les toilettes séparées à ce niveau-là. Et la salle de bain. Donc avec une baignoire, la fenêtre également. Bon, c'est d'époque, hein, tout ça, avec ces couleurs qui vont avec. Un lave-linge qui est fourni, la vasque meuble et voilà. Donc voilà, vous avez tout vu pour cet appartement à Boulogne, 23-25 avenue. Anna Jacquin, rue Anna Jacquin, pardon.